la communauté, j'espère que vous vous portez bien et aujourd'hui nous sommes encore pour un nouveau produit qui va véritablement vous intéresser, qui va vous plaire concernant Binance. Et aujourd'hui, le produit dont je vais vous parler, c'est le produit Binance Earn que vous voyez ici. Quand on parle de Binance Earn, voilà, c'est que il y a quelque chose d'intéressant. Comme vous le savez, avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne YouTube que vous voyez là. Voilà, vous souscrivez à la chaîne YouTube, vous verrez des vidéos qui vont véritablement vous aider à connaître certains produits, certains rendements qui vont véritablement vous aider. Vous abonner à la chaîne, vous laissez un gros pouce bleu. Cela va faire énormément plaisir de savoir que la vidéo vous a plu et que vous avez aimé. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour que vous soyez informé dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est mise en ligne. Ok, donc là aujourd'hui, parlons du produit Binance Earn. Quand on parle de Earn, c'est-à-dire gagner, donc ce qui revient à dire que Binance Earn nous propose un produit ou soit des produits qui vont nous faire gagner. Et ces produits-là, sachez-le, ces produits sont vraiment adaptés pour l'Afrique francophone. Toute l'Afrique, je peux le dire, mais spécialement pour l'Afrique francophone, vous savez, il y a beaucoup de plateformes, beaucoup d'exchanges qui ne fournissent pas assez de services vraiment complets pour l'Afrique. Voilà. Surtout l'Afrique francophone. Parce qu'en majorité, les produits sont destinés surtout pour les pays anglophones. Mais aujourd'hui, nous allons parler de Binance. Binance, comme vous le savez, est le leader mondial des exchanges. Mais nous allons parler spécialement du produit Binance Earn. Ok, Binance Earn, je vous avais dit que Binance Earn, c'est juste des produits pour pouvoir gagner des cryptos à titre passif. Quand on dit à titre passif, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de fournir trop d'efforts, voilà, travaillez vous-même pour pouvoir gagner quelque chose, mais juste placer vos crypto-monnaies ou bien soit adhérer dans un produit et puis avoir des retours sur investissement. Quand vous êtes sur votre porte, sur votre dashboard, vous partez dans les services gagner des cryptos. Ensuite, vous cliquez sur Binance Earn. Une fois que vous cliquez sur Binance Earn, vous allez être dirigé vers la page de Binance Earn. Une fois que vous êtes sur cette page-là, voici tous les produits que regroupe Binance Earn. Voilà, voici un peu tous ces produits-là. Il y a l'épargne, il y a le staking verrouillé, il y a le launch pool, il y a le BNB Vault, il y a le staking Ether 2.0, il y a le liquid swap, le staking DeFi, le double investissement et les enchères Polkadot. Donc vous voyez un peu, voici tout ce que renferme le produit Binance Earn. Donc Binance Earn a plusieurs produits en lui-même. Donc là, lorsque vous cliquez sur Binance Earn, vous allez être dirigé directement sur la première interface, l'interface où ils ont mis garantie. Voilà, quand vous êtes sur l'interface garantie, il y a ce qu'on appelle les monnaies populaires, c'est-à-dire ce que tout le monde a l'habitude de faire. Voilà, il y a AXS, USDT, BUSD, tout ça, ce sont les différents produits que, en tout cas, les utilisateurs font. Donc, les utilisateurs, ils aiment faire l'épargne verrouillée sur 7 jours, et soit l'épargne flexible. Et il y a le taux de pourcentage. Pour le taux de pourcentage, le calcul, je vais juste vous montrer comment est-ce qu'on fait le calcul. Et une fois que vous avez déjà une idée sur le calcul, là, vous savez déjà combien vous pouvez gagner et combien vous allez devoir investir. Je rappelle à titre vraiment d'information, sachez que tout ce qui est présenté sur cette chaîne ne fait aucun cas office de conseils en investissement. Voilà, faites toujours vos propres recherches, ajoutez à cela ce que je suis en train de vous donner à titre informatif et vous allez avoir, vous saurez quoi faire de vos crypto-monnaies. Donc là, comme je le disais, une fois que nous sommes dans la première partie garantie, il y a la partie monnaie populaire que vous voyez là. Il y a ce qui est idéal pour les débutants. Quand vous cliquez sur ce qui est idéal pour les débutants, vous voyez un peu les différents produits. Voilà. C'est vrai que le rendement n'est pas
n'est pas assez élevé, mais au moins tout est flexible, c'est-à-dire à chaque, quand on parle de produits flexibles, c'est-à-dire qu'à chaque moment, vous pouvez retirer votre investissement, votre capital de départ et gagner en même temps aussi votre taux d'intérêt que vous avez fait sur le nombre de temps en fonction du nombre de durées que vous avez fait. Donc voici pourquoi on met souvent les produits flexibles. Par contre, lorsque vous venez sur les nouveaux listings, c'est-à-dire les nouveaux tokens qui sont apparus, vous voyez un peu, la majorité, ce sont des produits verrouillés, des stakes verrouillés. Quand on parle de stakes verrouillés, par exemple, sur 10 jours, avant les 10 jours, si jamais vous retirez votre capital de départ, vous perdrez en ce moment tous les avantages de taux de pourcentage, la PIA que vous gagnez quotidiennement, vous perdez tout cela. Donc, on vous remet uniquement dans un délai de 24 à 48 heures, voilà. On vous remet votre capital de départ, mais sans la PIA, c'est-à-dire sans les intérêts que vous aurez pu gagner. C'est pourquoi le staking verrouillé, si vous le faites, soyez sûr que vous irez jusqu'au bout si ce sont les 10 jours. Donc là, vous voyez un peu, dans les monnaies populaires, il y a et les staking verrouillés et les staking flexibles. Donc voici quand nous rentrons dans le domaine populaire, voilà, l'épargne verrouillée Axis est verrouillée 25%. Et ensuite, les autres produits, vous allez voir, il y a les différents produits véritablement pour gagner. Donc là aussi, après la partie garantie, vous cliquez sur rendement élevé. Dans les rendements élevés, voici comme son nom l'indique, ce sont des produits à haut rendement. Quand vous faites un investissement, vous gagnez véritablement de gros montants. De la même manière que vous pouvez gagner de gros montants, c'est comme ça, il y a risque de perte lorsque les crypto-monnaies soient en chute ou bien soit vous avez fait le mauvais choix d'investissement. Par exemple, dans les rendements élevés, il y a, comme vous le dites ici, le pop-up. Les tokens à haut rendement peuvent offrir des gains supérieurs à la moyenne, mais avec des risques proportionnels pour vos fonds investis. N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, quelle que soit la hauteur des taux de rendement potentiel. Et ça, c'est la règle principale de toute forme d'investissement. OK? Donc là, une fois que vous venez dans le rendement élevé, quand on parle de rendement élevé, il y a le double investissement. Et dans le double investissement, il y a ce que, comme son nom l'indique, double investissement, c'est-à-dire vous avez la possibilité de gagner deux fois. Oui, de gagner deux fois en comment? Voici un peu, je vous explique. Lorsque vous cliquez sur le double investissement, il y a une option qui vous permettra de faire l'investissement bas exercé ou l'investissement haut exercé. Aujourd'hui, cela n'est pas l'ordre du jour de cette vidéo, mais je vous explique brièvement c'est quoi le double investissement. Cela fera l'objet d'une vidéo complète. Et si vous êtes véritablement d'accord pour qu'une vidéo soit faite en fonction de cette présentation qui est faite sur Binance Earn, vous écrivez juste en commentaire le produit Binance Earn que vous voulez que nous discutions. Si vous voulez, soit que ce soit l'épargne, que ce soit le staking verrouillé, que ce soit le Launch Pool, que ce soit le BNB Vault, que ce soit le staking ETH 2.0, que ce soit le Liquid Swap ou le staking DeFi, le double investissement comme les enchères Polkadot, tout cela, vous écrivez ce que vous voulez qu'on fasse en commentaire. Et le nombre maximal, en tout cas, de produits qui sera donné, en fonction de ce nombre-là, nous allons parler de ce produit-là. Donc, n'oubliez pas, dites en commentaire le produit dans lequel vous voulez véritablement que je puisse faire une vraiment vidéo bien plus une vidéo approfondie. bien plus approfondie. Donc là, dans le double investissement, dans le double comme je le disais, une fois que vous cliquez une sur fois que le vous double cliquez sur investissement, je le double prends un peu investissement, l'exemple je prends un peu BTC l'exemple que vous cliquez BTC que vous sur cliquez souscrire, vous allez voir toutes les options par rapport au double investissement. Comme je le disais, le produit haut est exercé et quand vous descendez un peu plus bas, vous aurez le produit bas est exercé. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le dual investissement est juste comme son nom l'indique, il y a deux types de produits. Le produit haut est exercé et le produit bas est exercé. On dit que le produit il est exercé si le prix de règlement est supérieur
ou égal au prix d'exercice quand il s'agit du produit roux et exercé. Quand le produit est bas et exercé, c'est que le prix de règlement est inférieur au prix d'exercice lorsqu'il s'agit du produit bas et exercé. C'est le même principe de calcul, c'est le même principe de rendement, seulement que lorsque vous faites un investissement qui est exercé en ce moment, lorsque le prix d'exercice va dans la tendance du produit que vous avez souscrit. C'est aussi simple, s'il n'y a pas de complications. Donc c'est juste ce que vous devez comprendre. Imaginons que je dis que voici le prix du Bitcoin actuellement à une valeur de peut-être 38 000 $, je dis n'importe quoi. Et là, le prix d'exercice, c'est 36 000 $. Et à partir de 36 000 $, si jamais je dis que voici, je fais un investissement haut et exercé, le prix d'exercice, c'est 36 000 $. Et que le prix du Bitcoin va jusqu'à 50 000 $ en ce moment, j'aurai mes 50 000 $ plus mon APR et mon taux d'intérêt. Donc cela va me faire plus de 50 000 $ et quelques, vous comprenez un peu. Mais lorsque le produit, j'ai dit, sera haut et exercé, mais la tendance est allée à la baisse, c'est-à-dire le prix du Bitcoin a chuté jusqu'à 33 000 $ au lieu de 36 000 $, le Bitcoin est venu à 33 000 $. En ce moment, c'est-à-dire que mon produit, il est non exercé. Donc là, j'aurai 33 000 $, mais je serai payé en Bitcoin. Donc j'aurai en ce moment un Bitcoin. Vous comprenez un peu? Voilà. Et là, voici comment cela fonctionne. C'est pareil. Donc vous devez savoir que lorsque la tendance dans laquelle vous avez placé votre produit et ne va pas dans la tendance de votre produit qui est haut et exercé en ce moment, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait le bon choix. Donc, dans tous les cas, vous ne perdez pas, vous avez encore vos bitcoins et là, vous devez comprendre que vous avez encore vos bitcoins. Donc, c'est aussi simple. Et pour le calcul, voici comment est-ce que le calcul se fait. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous aurez encore d'autres vidéos. Ça, cela n'est que la première partie de Binance Earn. Vous aurez dans la deuxième partie encore certains descriptifs qui vont quand même vous aider à comprendre un peu c'est quoi le produit Binance Earn. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la chaîne en laissant un gros pouce bleu, en activant la cloche de notification, surtout pour être informé des dernières vidéos, des dernières sorties qui sont juste faites sur cette chaîne. Merci et à ciao pour la prochaine.